Bon, allez, c'est parti pour la cuisson de la queue de bœuf. Allez, on va aller voir ça. Elle sort du frigo. Ah là là. Et tous les parfums. Alors maintenant, on va enlever les morceaux. On va aller les saler, les poivrer. Et on va les faire rôtir à la casserole. Allez, c'est parti. Alors voilà, je les ai retirés de la marinade. Ne soyez pas surpris par la couleur, hein, c'est tout à fait normal, c'est le vin, c'est le tanin du vin qui est venu teindre la viande. Alors maintenant, on va venir la saler, la poivrer. Par contre, on ne jette pas la marinade qu'on viendra mettre par la suite. Bien chaud. Bon morceau. Voilà. Voilà, et on fait bien rôtir la viande de chaque côté. Allez, on y met une petite pincée de gros sel. Voilà. Et maintenant, on fait rôtir le tout. Allez, à tout à l'heure. Alors, dites-vous bien que la queue de bœuf, c'est une cuisson longue. On est parti pour du 2h, 2h30. Facile. Allez, on va aller voir où ça en est. Alors le tout à peu moyen. Allez, on va venir retourner un petit peu. Voilà. Alors voilà. Pour moi, la viande est assez rôtie. Vous avez vu qu'on n'a pas mis le couvercle. Hein. Maintenant, on va venir y mettre deux grands verres d'eau. On va mettre le couvercle, mais on ne met pas la marinade tout de suite. On va la garder pour la deuxième partie, quand l'eau sera arrivée à réduction d'une bonne moitié. Je vous montre quand même la grandeur du verre. Hein. C'est un beau verre. On va venir en mettre deux, comme je vous ai dit. Voilà, et là maintenant on va remuer un petit peu, mettre le couvercle, et je pense que c'est parti pour une bonne demi-heure. Dans un petit quart d'heure, je viendrai voir le niveau de l'eau. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va aller voir où on en est. Ah, ben c'est bien encore, peut-être un bon petit 10 minutes. Là, je vais aller tourner la viande. Vous voyez, ça prend de la couleur. Et après, on viendra mettre la marinade. Allez, on va aller tourner cette viande. Alors voilà, le temps que ça cuise. C'est chaud ou pas? Je vérifie. C'est chaud, oui, je peux choper. Non, c'est trop chaud. Voilà. Oui, ça cuit bien, tout tranquillement. Alors en attendant, on va faire revenir quelques lardons. Alors, c'est 125 grammes de lardons. Hein. Allez, c'est parti. On va venir rajouter à la queue de bœuf. Et là, on pourra mettre la marinade. Voilà, mes lardons sont bien frits. Je les mets dans la marmite. On mélange le tout. Voilà. Et là, j'ai pas éteint le petit feu, puisque je vais récupérer le petit feu que vous voyez là. Parce que maintenant, ça va cuire tranquillement. Ça va mijoter avec le couvercle sur le petit feu. Alors, on déplace la marmite, voilà. Qu'on ne se trompe pas. Voilà. Et ça va cuire uniquement sur le petit feu. Alors maintenant, on va venir y mettre la marinade. Alors, attention. Comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on met tout. On remet le tout et on remet le couvercle. Alors, allez, voilà. À tout à l'heure. Regardez, sur le petit feu... C'est largement suffisant, ça... je vais même réduire encore un petit peu. C'est peut-être l'avantage des marmites en fonte, c'est que ça diffuse bien la chaleur.
Donc là, on va réduire le petit feu. Et maintenant, c'est parti pour au moins une heure et demie de cuisson encore. Je viendrai tourner la viande à peu près tous les 25 minutes. Comme je vous ai dit, hein, on est parti pour du 2h, 2h30 de cuisson au total. Allez, à tout à l'heure. Comment savoir tous les parfums. Allez, on va venir remuer un petit peu. Et on se revoit tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai deux beaux os à la moelle que j'ai eu avec mon boucher. Donc ça s'appelle une petite chance. Donc je vais finir la queue de bœuf. Il reste une demi-heure de cuisson. Je vais les saler recto verso, les poivrer. Puis ils vont finir la dernière demi-heure de cuisson avec la queue de bœuf. Allez, c'est parti. On va mettre un petit nonos à la moelle ici. Voilà, on va lui trouver une petite place. Hein. Voilà, je vais gaffe parce que c'est chaud quand même. Et puis l'autre, ben, il va aller par là. Allez, on lui trouve une petite place là. Voilà. Très bien. Ah, il est remonté. On va essayer de trouver une petite place là pour le deuxième. Voilà. Là aussi. Voilà, allez, c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Et on se revoit tout à l'heure avec une présentation à l'assiette. Voilà, on est arrivé en fin de cuisson. Je vous fais une petite photo de présentation. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit.